Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation à 3DS Max. L'exercice du jour va porter sur le rendu par passe de 3DS Max, autrement appelé le render element. Donc l'exercice commencera par le paramétrage du rendu dans 3DS Max, ensuite le paramétrage des différentes passes de rendu, et se finira par le compositing sous Photoshop avec plusieurs passes de rendu, que ce soit diffuse, réflexion, spéculaire, Z-depth, ombre, etc., etc. Je vous dis donc à tout de suite pour cette formation d'introduction au rendu par passe avec 3DS Max. À tout de suite.